Vous savez, le poète Lutumba restera dans la mémoire collective comme une personnalité comme rarement on les rencontre dans le monde. En effet, il a exercé avec talent, avec beaucoup de talent, son art, son métier d'artiste. Et ces chansons qui ont porté la rumba congolaise. Jadis, on disait, il a porté la rumba congolaise au niveau le plus élevé. Aujourd'hui, nous connaissons ces niveaux les plus élevés. Le fait le plus cher de Lutumba a toujours été de garder sa famille unie. Et je vais vous donner une anecdote. La dernière fois que nous avons célébré son anniversaire, nous étions ici avec l'artiste Lutumba Simon, poète. Et j'ai assisté avec lui à ses côtés, sa chère épouse, pour qui nous avons également une mémoire à Makelani. Yeah.
Tikati na musambo ye
Sika, il y a le bon. Et Sika, il y a le bon. Il y a le bon.
de Christ, afin que les vêtements de Christ puissent être des vivants et des morts ensemble pour lui. Gracias.
Vous savez, le poète Lutumba restera dans la mémoire collective comme une personnalité comme rarement on le rencontre dans le monde. En effet, il a exercé avec talent, avec beaucoup de talent, son art, son métier d'artiste. Mais il faut se le dire ici, Lutumba n'était pas simplement un artiste et musicien, compositeur de talent, mais Lutumba fut également et reconnu comme tel, comme un poète, comme un philosophe. Philosophe, je l'ai dit souvent à mes amis qui me posent la question, parce qu'il avait les primats de la raison. Et comme tout philosophe, Lutumba était dans une quête perpétuelle de la connaissance du savoir. Et ces chansons qui ont porté la rumba congolaise, jadis on disait, il a porté la rumba congolaise au niveau le plus élevé. Aujourd'hui, nous connaissons ces niveaux les plus élevés, son niveau. Et donc, la contribution des Lutumba, c'est une contribution qui pèse énormément, une contribution immense à l'humanité à travers l'amour. Voilà pourquoi tous ceux qui sont ici, qui l'ont connu de manière proche, nous voulons en cet instant lui réitérer l'hommage de sa communauté, de l'Igwa, l'hommage de sa famille. Nous sommes ici avec deux de ses enfants, Jean-Claude et Salomon. Je voudrais saisir l'opportunité de cet hôtel et solliciter la miséricorde, le pardon du Dieu Tout-Puissant pour que le vœu le plus cher de Lutumba a toujours été de garder sa famille unie. Et je vais vous donner une anecdote. La dernière fois que nous avons célébré son anniversaire, nous étions ici avec l'artiste Lutumba Simango. Et j'ai assisté avec lui à ses côtés, sa chère épouse, pour qui nous avons également une mémoire, Maman Kélani. Toutes les délégations qui venaient souhaiter bon anniversaire à Papa Lutumba et qui amenaient un petit présent, Lutumba finissait toujours les mots des remerciements avec une anecdote. La note de la suivante, je vous la dis. Il disait, pour Kambani Boke, pour la pour Kambani Boke, faux à la place. Et moi je pense que, sans chercher à interpréter Lutumba, parce qu'il est inaccessible à ce niveau-là, sans chercher à l'interpréter, je pense que si Kambani Boke, voilà, voulait parler de l'unité. L'unité du pays, l'unité de notre communauté. Par contre, je voudrais lancer aussi cet appel vis-à-vis de sa progéniture, Marie-Paul, Sylvie, Laura, ses belles-filles, Jean-Claude, mon fils, Salomon qui est ici, Robert, de, à cet instant, nous commémorons la mémoire de Lutumba, que nous puissions nous souvenir de cette anecdote de Lutumba, cette prophétie de Lutumba, tous à la voilà le feu, la prière que j'ai mis ici. Je sais que vous êtes ensemble. Vous pouvez renforcer cet ensemble et le bien unité. Nous rendons grâce à Dieu ce jour pour nous rendons le départ à la maison du Père de notre illustre aîné, papa, grand-père, Simango, Lutumba, Massina, Don Manuel et grand-père. Merci à vous tous. Merci. Thank you.
la bénédiction. Le Seigneur soit vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Excellent.